Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme et que vos familles sont aussi en forme et que voilà, que cette période de confinement ne vous a pas trop pesé. Voilà. Le programme Ambition Réussite étant à l'arrêt dans la partie activité, nous profitons de ce moment pour vous demander un petit travail. Ce qu'on vous propose, c'est de vous constituer une sorte de carnet d'expérience de votre parcours dans le programme Ambition Réussite. Si à chaque rencontre, à chaque activité, vous serez amené à réaliser une production pour garder trace de ce que vous avez vécu. Ce carnet, il sera personnel, c'est-à-dire il vous appartient, mais on va vous demander à certains, peut-être pas à tous, mais quand il y aura des textes intéressants, de nous les partager afin qu'on puisse mieux vous suivre. On vous propose pour commencer d'écrire un premier chapitre sur une activité que vous avez eue, une expérience, un rendez-vous auquel vous êtes allé avec le programme. Nous vous laissons libre de la forme que vous choisirez. Donc cette représentation peut être un texte, un poème, une interview, une représentation graphique, un montage photo, vidéo, même une chanson par exemple. Pour réaliser ce travail, vous pouvez partir des éléments suivants. Par exemple, cette sortie m'a fait découvrir et vous complétez, ou mon meilleur souvenir de cet événement a été et vous complétez, ou j'ai bien aimé ceci, mais cela m'a plutôt déçu. Et après cette sortie, avec du recul, cela m'a permis telle ou telle chose. Nous vous demandons de nous renvoyer vos productions d'ici le vendredi 5 juin. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail, vous connaissez hein, maintenant. Moi, mon contact, c'est olivier.mathieu@egn02.fr. C'est moi qui suis votre contact à EGN. Mais après, je peux renvoyer vers d'autres personnes pour vous répondre. Voilà. Nous y utiliserons sans doute certains de vos écrits avec votre accord et en les anonymant, si vous le souhaitez, pour communiquer auprès des différents partenaires du projet. Nos partenaires comme l'Éducation nationale, des financeurs, le préfet, etc. et tous ceux également que vous avez rencontrés. Nous comptons sur vous et on vous remercie. Nous comptons sur vous.